Tour de France. Donc on a fait Mont-Saint-Michel-Utah Beach. Maintenant on se retrouve pour Saint-Lô, Cherbourg-Octeville. Donc on est troisième du classement général à Carnot démarre. Mais bon, hein, c'était du sprint. Donc c'était facile. Là c'est du vallon. C'est pas encore la montagne. La montagne ça va arriver mais dans 3-4 étapes. Alors on va prendre. Je pense qu'on va simuler. Hein. On va simuler, je vais peut-être faire deux étapes en une. Parce que franchement, le vallon, la plaine, je pense que vous en foutez tous. Et vraiment tous. Donc on va prendre Arnaud Démare pour le maillot vert. Bonjour à tous, voilà une étape qui devrait ravir les On va pas puncheurs s'échapper parce que avec le une vallon arrivée jugée au sommet de la est plein, glacerie, s'échapper une ça sert côte à de rien. 2 km à 6,5% Plutôt se de faire pente attraper tout le temps en moyenne, pleine. il y a fort à parier qu'ils Ça ne feront sert à mieux rien. pour ne pas se faire surprendre Donc par on va les direct échappés. simuler. Pas d'attaque pour l'instant, toujours 198 le peloton. Ah, et l'autosoudal à l'avant. Alors ça bouge devant. Alors, Voilà un peu qui c'est roulant. devant? Attention à ne pas le laisser Alors, seul devant. Il sera difficile à rattraper et il peut Chalindi, devant lui je arriver connais seul. pas. Morkov, je connais. Barta, je connais. Il y en a d'autres. Anderson, je connais. Ah, il y a Machado. Il est bon, Machado. Donc, Les on va se échappés mettre creusent dans la roue. l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général. On peut laisser filer. Et on va recommencer à simuler. On est derrière Tecle et Manotte, le premier maillot à poids du dernier Tour de France et le premier coureur étrier, hein, si je dis pas de bêtises, à aller sur le Tour de France. Sa Bon, meilleure allez, je chance de simule. victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Un peloton un peu étiré. Ce sont les Cofidis qui roulent devant. Peut-être pour finir au sprint avec Nasser Bouhanni. Moi, la première semaine, j'ai laissé la FDJ au repos. Comme ça, en montagne, on va pouvoir. Enfin, on va pouvoir y aller. Contre, il roule un peu vite, je trouve. On va les mettre. Hop là. Demander à Ellison de protéger. What? Je comprends pas. Eisenbach de protéger de Pinot. Bien reçu. On reste dans les roues à tout prix. Parce que là c'est chiant. Hein. Là ça c'est. Les Cofidis se roulent vite. Hein. L'échappée elle va pas aller au bout donc on a bien fait de rester dans le peloton. On est à 2 km du grimpeur Côte de Montabeau. C'est Van Mart qui a pris les points. L'équipage G2R à droite qui protège Romain Bardet. Franchement là je vais pas jouer le maillot jaune et le maillot vert, oui je vais jouer à fond parce que après c'est pratiquement que de la montagne. Enfin, c'est cool d'ailleurs. Le maillot vert je vais jouer à fond cette semaine. Je vais pas trop prendre d'échappée parce que déjà on va se fatiguer et puis l'échappée en pleine c'est très 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 rare qu'elle aille au bout. Donc on simule. Donc je pense que je ferai la deuxième étape dans cette vidéo. Ah non, remarque, j'ai déjà mis le nom. Non mais vous inquiétez pas, vous l'aurez aujourd'hui. Ah la Cofidis ils roulent mais protège leur maillot jaune. L'écart qui diminue. Et on n'est même pas à 10 km du sprint. Donc
pour vous montrer que ça sert à rien de sortir, ils vont jamais aller au bout. Ma FDJ aux avant-postes. Et là voilà, c'est que du plat. Jusqu'au sprint, c'est que du plat. Que du plat. Non, c'est comment on fait pour zoomer. Ah oui, voilà. Vous voyez là. Que du plat. Ça monte un tout petit peu avant le sprint. Après, il y a quelques petites côtes du sprint à l'arrivée, mais c'est pas méchant. Les sprinters seront là à la fin, je pense. Enfin, l'arrivée, j'ai l'impression qu'elle est en botte. Ouais. Je vais peut-être attaquer avec Arnaud démarre à l'arrivée. Enfin, c'est sûr, mais un peu avant la côte. Ah, Kevin Reza pas en forme. Kevin Reza qui était à l'équipe Europe Car avant. Europe Car qui n'avait plus de sponsor et du coup il n'y a plus personne. L'équipe est éparpillée. Vauclair, Reza, Cocard, Roland, Gauthier. Ils sont tous éparpillés. De citer que Arashiro aussi, que je crois qu'il y est dans ce Tour de France. Allez, on va commencer à avancer parce qu'on est à 6 500 km. Ouais, là on a deux doigts les rattraper, on accélère un tout petit peu, on les rattrape. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint. Je vais mettre dans la route Greppel. Le premier empochera 20 points. André Greppel, ex maillot jaune, enfin l'année dernière c'était le maillot jaune, maillot vert pardon, du Tour de France 2015, il avait gagné aux Champs-Élysées. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler les gars, y'a personne de dangereux pour le général. On attend d'être à 1 200 km par là. Là on ira. Les 11 points, c'est pour moi. Là on est bien placé. On ne peut rien dire. Là si on, si je perds, j'aurai aucune excuse parce que là on est très très bien placé. On est à côté des meilleurs. Et même devant eux. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Voilà le vainqueur du sprint. Ça va commencer. Je me mets dans sa roue, je me mets dans sa roue. Ah 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 ah. Si 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 si. Arnaud démarre qui revient fort. Arnaud démarre qui revient fort. Yes, on est passé. Ouh. Merde, c'est l'énergie rouge que j'ai. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. Je prends mon ravito. Oula, pardon. Soyez attentifs, ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ah, ils ont déjà tous pris leur ravito. Ah ouais. Bon. Par contre, moi je suis en arrière de peloton là, ça va pas le faire. Faut que je revienne un peu. Échapper un peu de chance d'aller au bout les gars. Faites attention au contre. Ouais, le commentateur est d'accord avec moi. Ouf, je suis 106ème là. Je suis très mal placé. Je demande à Arthur Vichot de protéger Arnaud Démarre. Et on va simuler. Okay. Je viens de protéger. Faut revenir là. À 53 km. Alors, Bouani est devant. Bon, on s'en fout, on va les laisser rouler. S'ils veulent se fatiguer, c'est pas mon problème. Et voilà,
Plus qu'un kilomètre avant la côte. Et le point a été distribué à... J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. On passe à côté du port. J'aime bien les graphismes. Je trouve ça assez sympa à jouer. Avant il n'y avait pas de public, là ils sont là avec leur drapeau. Ah, j'ai dit petite côte, mais Arnaud démarre un petit peu en difficulté. Arnaud démarre en difficulté. Là il n'a pas les jambes. Ce n'est pas un grimpeur, ça se voit. Ouh là là là, il se fait passer par tout le monde. Il se fait passer par tout le monde. Ouh là là. Ouh là là. Pas en forme. On simule. Arthur Michaud, de toute façon, c'est un bon coureur. Donc il devrait le ramener. Ouh, la barre d'énergie de Pino. Voilà. Mais quand on sera à 10 km, je reprendrai. Très bien de remonter d'arriver en première place. Pour le sprint de tout à l'heure. Et qu'on y reste. Je pense qu'il... D'ailleurs, je regarde à la gauche. Là. Vous allez voir pas mal de coureurs échappés. Ah non. Pas tant que ça, en fait. Alors, ça... Non, non. Aucun sprinter. Ils sont tous là. Il n'y a que moi qui suis en difficulté. Ah non, il y a Sagan. Et on sait tous que Sagan, c'est un bon grimpeur aussi. Donc ça me rassure. Je suis pas le seul. Ça monte un petit peu là. Allez, on réussit mieux. Faut qu'elle est sympa cette simulation. C'est mieux que l'autre. Enfin, j'avais pas le 2015, j'avais le 2014, mais on voyait pas les coureurs et du coup, bah, des fois on ratait le sprint intermédiaire alors que là, par exemple, vous allez voir sur la côte. Ah non, vu qu'on n'est pas échappé, et ils vont nous demander jouer les points pour le grimpeur et tout. Le peloton est obligé et t'as le choix. De la côte de Saint-Sauveur. Va-t-il y avoir des attaques avant la bosse d'arrivée? Ouais, moi je vais attaquer là. Il essaye de sortir. Attention. Faut que j'attaque. Faut que j'attaque. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Je suis bloqué. 115 secondes, vous voyez. Un des marques attaque. Peter Sagan juste derrière lui. Peter Sagan qui a eu la même idée que lui. Eh bien écoutez, Peter Sagan va rouler pour moi. Hein. Ou alors il roule pour Contador, je sais pas. Je dis merci Sagan. Petite attaque. Les pourcentages les plus difficiles. Allez, c'est le moment de faire la différence. Donc pour ceux qui veulent savoir mon niveau, c'est niveau professionnel. Attaque en tête du peloton, c'est pas le moment de se regarder. Ah, j'ai plus d'énergie rouge. Ah, je me suis peut-être un peu cramé là. Prouve-moi en difficulté. Putain, c'est un truc, j'ai plus d'énergie. J'ai hyper mal joué. Personne n'a réussi à s'isoler en tête. Il va finir devant Sagan. Il va finir devant tous les sprinters. Je demande juste à Pinot d'attaquer. Faut pas qu'il perde de temps. Ok. Je vais attaquer. Voilà. Et voilà, on finit dans la roue de Thibaut Pinot. Encore Patrick Boss, le dernier.
C'est toujours lui avec Bushman. On l'attend. C'est possible qu'on ait pris le maillot vert. On va voir. Déjà, je pense. Déjà, c'est sûr, on a gardé le maillot blanc. Enfin, normalement. Et le maillot vert, on l'a peut-être pris. Ce serait bien la première semaine finir avec au moins 30-50 points d'avance. Ce serait cool. Vous voyez là par exemple ça montait un tout petit peu et c'est beaucoup mieux à regarder que la plaine. Alors vous imaginez la montagne avec les favoris qui attaquent tout le temps. Alors nous finissons. Ah bon, on finit 11e. Sachant qu'il y avait des coureurs échappés. Valverde et Alaphilippe s'étaient échappés. Daniel Martin. Quintana. Ouais, après c'est des grimpeurs, vous voyez, ceux qui sont devant moi. Et après. Sagan est derrière moi. Et les autres, ils ont pas réussi à suivre. Sia Cocard, Boigny. Voilà. Mince. Alors. J'ai réussi à prendre 33 points. Alors, classement général, bon, on s'en fout. C'est avec Arnaud démarre. Je suis 8ème. Oui, classement à la montagne, on s'en fout. Et je passe 2ème. Alors que j'étais 3ème, j'ai dépassé Marcel Kittel. Donc Arnaud démarre, j'ai l'impression qu'il grimpe un peu mieux que Kittel. Boigny aussi. Faire attention à Sagan aussi, il est pas mal. Donc ce serait bien de finir avec le maillot vert dans ce Tour de France. Je vais viser tous les maillots en fait. Enfin sauf le maillot blanc parce que j'ai qu'un jeune, c'est Arnaud démarre et jamais un sprinter va finir maillot blanc. Parce qu'il y a la montagne et il va craquer. Il va perdre beaucoup de temps. Bon, surtout pour la prochaine étape. Alors déjà on regarde la récup. Alors Pinot il sera bien. Par contre mon équipe là, ils sont fatigués. Et c'est encore de la plaine après. Vallon, plaine, Vallon. Et là montagne, Bagnères, Luchon, Viella, Val d'Aran, Andorre, Arcalis. Là 9 juillet 10. Ça va craquer. Montagne, plaine, montagne, 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 montagne. Là, vous allez voir, ça va craquer. Avec Chantilly, Paris Champs-Élysées à la fin. Bon, salut les gars, on se retrouve après pour une prochaine vidéo. Pour la troisième étape, Grandville-Angers. Allez, salut.